Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler très grosse guerre, on va parler du patch également. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord de la chaîne, c'est super simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore. Les amis, donc, mon KVK, ouverture des portes de niveau 7, énorme guerre, je vous ai record tout ça, c'est encore en cours, on va aller voir ça, notamment avec le 401 de Death Squad, avec le 239 de Last Swagger, on va revoir ça par la suite, mais pour le moment, concentre-nous sur le patch qui a eu lieu donc ce matin, il a duré 2h57 très précisément. Donc, ils ont tenu les 3 heures. Kevin a bien travaillé son sujet. Kevin n'a pas fait déborder la durée du patch. Regardons donc ce qui avait été annoncé. Je vous le retrouve en favori. On ira voir les rapports après. Vous allez voir, c'est très sympa. Dans les annonces, journée au musée, ce genre d'événement. Donc, rien de visible immédiatement. Optimisation du royaume perdu. Alors, la petite optimisation cachée, c'est que apparemment, pour ceux qui ne sont qui n'ont pas encore fini le KVK saison 3, eh bien, les commandants dits de saison 3 ne sont pas utilisables. C'est-à-dire que Guan, par exemple, Léo, Attila, Takeda, vous ne pouvez plus les utiliser. Hop, ils sont grisés si vous n'avez pas fini le KVK de saison 3. Donc, une petite cartouche discrète non annoncée. Des optimisations de ligue qu'on ne peut pas voir. La chose qu'on peut voir immédiatement, excepté la récupération d'alliance et d'immigration, qui n'est pas très intéressante, c'est surtout pour les équipements. Donc, on va aller voir tout de suite. J'ai regardé, hein, il n'y a pas eu de reset du store VIP, il n'y a pas de VIP 18 qui est apparu. Vous voyez, on est toujours au VIP 17. Il n'y a pas de nouvel item qui est apparu non plus. J'y passe pas mal de temps à crafter en ce moment. Donc, on est sûr, ou du moins je suis sûr là pour le coup, de ne pas avoir raté d'item de craft. Regardons justement les présélections qui a été ajoutée. Si on prend César par exemple, dont je ne me sers pas et qui n'a pas d'item, regardez. Si je clique sur le commandant, on le voit, il y a un petit icône en haut à droite. Alors, je vous l'entoure avec le curseur. Voilà, avec le curseur, un petit icône ici qui est apparu. Et si on clique sur cette icône, on a maintenant 3 charges qu'on peut... La traduction, elle est un peu moisie, Kevin, charge. 3 charges, on peut changer le nom, bien évidemment. Et on peut sélectionner donc un stuff. Mais ce qui est bien, c'est que normalement, il ne nous demande pas d'item. Pour une fois, pour le switch, c'est bien la première fois que Lilith ne vous facture pas quelque chose. Donc, on va voir. Par exemple, si on va faire quelque chose, je vais prendre un cas concret. Ma Zenobi, comme ça, vous voyez Zenobia, comment je l'ai stuffée. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, hein, sur le Discord, je vous répondrai pourquoi elle est stuffée comme ça. C'est un très bon stuff. Hein. J'aurais pu aller sur quelque chose de différent. Mais celui-là, après avoir bien discuté avec beaucoup de monde, il est très bien, un bon rapport qualité-prix, on va dire. Sachant que j'essaye de crafter la corne de rage, de fureur actuellement. C'est pour ça que je ne claque pas tous mes items pour le craft. Et donc, on va, vous voyez, j'ai les deux petits bijoux. J'en ai que deux, l'anneau de damnation et l'amulette de Delane. Et j'aimerais bien les switch ces deux avec... Ah, il n'est pas en ville. Avec, avec Guan. Donc, on va le faire sur n'importe qui, hein. Je vais le switch avec lui, par exemple. Donc, je vais lui mettre en switch. Il va juste... Hop là, non, je garde le nom. On va juste lui mettre en... Donc, je lui mets... Ah oui, mais est-ce que je peux lui mettre rien? Est-ce que je peux switch sur rien? Changer? Oui, si l'équipement est utilisé par le commandant, appuyez sur confirmer avec cet équipement. Donc, on va mettre oui. Hop là, donc ça switchera bien. On va prendre, par exemple, ce bijou-là. Je mets équiper. Il me l'équipe. Je vais switcher, donc je suis sur celui-là. Je change, oui, ça l'enlève automatiquement de l'autre côté. Elle, ah, il me l'a enlevé directement du change. C'est pas très pratique, il ne l'avait pas enregistré avec, mais là, il m'a fait un enregistrement auto. Je le remets, je le reprends, équipé, tac, et il me le remet dans la presselle. Bon, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de surprise. Rien de notable, c'est plutôt bien fait. J'aurais préféré, en revanche, que cette solution-là soit directement mise au niveau des troupes quand je vais les sélectionner là et que je puisse avoir... Alors, j'essaie de ne pas trop dézoomer parce qu'on va aller voir la carte après. Je sais, donc, j'aurais préféré que ce soit ici directement quand je sélectionne un duo
je puisse switcher à ce niveau-là. Le set que j'ai sur le commandant, ça aurait été vraiment beaucoup plus performant. Passons à présent à l'ouverture des portes de niveau 7 que vous avez peut-être suivi en live chez certains streamers, puisqu'il y a quand même 3 streamers sur mon KVK. Comme d'habitude, les gros KVK, les gros royaumes ont bien évidemment des streamers. Regardons donc, je vous ai fait un record avant l'ouverture des portes qui a eu lieu hier, heure française, à 23h30, 23h27 si je ne dis pas de bêtises, heure française, 21h27 UTC. Regardez donc, alors il y a des petits lags quand même, hein. Il y avait tellement de monde que ça laguait. Regardez, on s'est retrouvé moins de 5 minutes avant l'ouverture des portes. Comme d'habitude, je vous ai fait un record de la mobilisation. Donc cette porte-là, c'est celle en contact avec le 239, vous voyez, 21h27 UTC. Donc la porte de contact avec le 239, elle était XK de la Swagger. Très mobilisé des deux côtés. Nous, on était bien présents, bien évidemment. Vous avez vu, hein, j'avais sorti ma Zenobia pour remplir la porte ou un flag par la suite si on construisait. J'avais l'espoir qu'on aille plutôt rapidement. Donc, grosse mobilisation entre nos deux portes. Sur la porte du sud, on l'a verrouillée avec des forteresses. On a verrouillé toute la zone avec flag, forteresse et ville. Le 1177 et le 1194 étaient très mobilisés aussi pour venir vers nous. Mobilisation équivalente à la nôtre, hein, puisqu'ils voulaient rentrer et nous raser, bien évidemment. De l'autre côté, face au 401 et au 166, le 1177, petite mobilisation. Hein, ils sont quand même présents, mais regardez cette marée humaine du 401 de l'autre côté. Ils sont entassés, c'est assez énorme. Vraiment, il y a eu beaucoup de lag sur cette zone. Je ne sais pas si cette zone de combat-là n'est pas celle qui a fait laguer le serveur. Ils étaient énormes. Vous allez le voir, ça va se renforcer en plus. Ce n'était pas l'horaire de pointe pour eux. Après, durant la nuit, hein, quand, sur d'autres records, on va le voir, il y aura encore plus de monde. Et on retrouve Death Squad, hein, qui est bien évidemment aux avant-postes, qui est le rallye leader sur cette porte-là. Donc, on l'a bien compris, le 401 a décidé de foncer sur le 177 puisqu'ils savent qu'on gère le 239. Et le 239, on l'a déjà bien usé. Et inversement, ils nous ont bien usé aussi. Et cette porte-là au nord, évidemment, le 400 étant très peuplé et avec le 166 qui est aussi un Imperium en binôme, eh bien, ils sont très nombreux aussi sur cette porte-là. Et là, en phase 2, il n'y a personne. Et ils ont construit d'ailleurs le 239, 3 forteresses en urgence à l'arrache juste avant l'ouverture des portes. La construction s'est finie pour les 3, une heure avant l'ouverture, donc ils étaient bien. Nous, de notre côté, regardez, je vous montre les coalitions, 14, 12, 12, 7 et 6,5. Donc une belle coalition de notre côté. On va voir celle du 239, la coalition principale. Elle est à peu près équivalente à la nôtre en puissance. Hein. 13,5, 11,1, 17, 10,1, 7,5. C'est à peu près équivalent à nous. Je pense qu'on a un petit peu plus quand même de puissance que là, sachant qu'on a tous les deux, nos deux camps ont beaucoup perdu à cause des guerres qu'on s'est menées, le 177 et le 401, le 166 n'ayant pas eu de combat pour le moment. Donc pour le 177, 12,9 milliards, donc 13, 15, 13, 12, 11, donc une grosse coalition, plus grosse que les deux précédentes. Mais la palme de la plus grosse coalition revient bien évidemment au 401. Regardez, 15, 15, 14, 2, 14, 1 et pratiquement 13. Énormissime celle-là, elle va brûler. Et donc, on va voir le choc à l'ouverture des portes. On va passer à cette phase où les portes ont ouvert, puisque là, on était à 1 minute 24 de l'ouverture des portes. Regardez, donc on passe à cette phase. Et vous voyez, hein, ça lag. C'est des ralentissements sur le jeu. J'ai dû, pour la première fois vraiment, pour filmer dans des bonnes conditions, passer en graphisme diminué. Donc, je ne pense pas que ce soit dû... Alors, on est en vitesse de 100%. Hein. Je ne pense pas que ce soit dû à la tablette. Je pense vraiment que c'est dû au serveur qui galère à afficher tout ça. On voit un peu de téléportation. Il y a peut-être aussi un peu de la tablette, mais c'est assez étonnant. Les patchs n'améliorent pas grandement les choses alors qu'ils n'ont pas rajouté d'effets visuels sur le jeu, c'est assez étonnant. Donc le rallye, c'est Gaudi, vous voyez, il rallye avec un roi du chocolat, un Xi en binôme, avec derrière, il a un Genjin Scan, j'ai galéré pour le trouver, assez étonnant. Mais s'il le fait, j'ai toute confiance en lui. On l'a fait tomber. Ce qui est important, c'est que c'est nous qui avons tapé en premier avec notre rallye. Ce qui fait que c'est nous qui avons récupéré. Ah non, c'était pas Gaudi, c'était un sauce.
ça devait être Bulldozer. C'est nous qui avions tapé en premier la porte, donc c'est nous qui l'avons eu en premier, même s'il y avait un rallye de l'autre côté. Donc on a été les premiers à les portes. Et immédiatement, la porte étant prise, tout de suite, évidemment, eux vont faire des petits swarms pour le fun, mais nous, tout de suite, on rase des villes, on attaque des villes. Il y a, malgré les appels des deux côtés, hein, même chez nous, on avait ça, il y a des joueurs qui ont oublié de se mettre sur leur territoire, oublié de se buller. Ils avaient la confiance et les mecs, on les rallie direct, c'est certain. On y va. Donc c'est vraiment notre petit passe-temps. Dès que la porte est ouverte, on a que ça à faire au départ. Hein. Il y a trop de masse. Donc regardez, je vous ai fait des petites coupes pour vous amener directement à ces moments-là. On va arriver au moment du rallye et je vous montrerai le rapport par la suite. Hein, une fois qu'on va avoir fini ces codes, je vais vous montrer l'état actuel des choses et les rapports des différents rallyes, des rallyes les plus intéressants qu'on a eu durant la nuit. Avant cela, je vous montre la porte du côté du 411. Vous le voyez, la porte, près de 10 minutes après l'ouverture, était toujours pas tombée, celle du sud. Celle du nord, bien évidemment, ils l'ont prise rapidement, il n'y avait aucune résistance. Et ils se sont étendus partout. Le jeu étant de trouver un endroit où poser une forteresse, puisque les deux territoires, le 39 comme le 177, ont verrouillé leur terrain comme nous. Donc nous, on continue de remplir, on continue de défendre la porte. Le jeu pour nous est de la garder, les épuiser, renouveler et lancer nos rallyes. Vous le voyez, le rassemblement d'Alliance est en train d'avancer. On va d'ailleurs y aller tout de suite sur ce rallye. Vous allez le voir, on a commencé directement à zéro des joueurs. Alors je ne comprends pas que des joueurs se fassent zéro alors que ça vient que d'ouvrir. Vraiment, les mecs flinguent leur KVK. En plus, ça fait tout le tour pour rien. Vous voyez, ça lag quand même un petit peu, je trouve. Donc en défense, même si c'est un petit joueur, en défense, un binôme avec YSG, ça peut être bien, mais pas Guan derrière, je pense, de mon point de vue, c'est gâché. Il doit avoir mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, l'Attila qui attaquait n'était pas super bien stuffé. C'était d'un joueur standard de mon alliance. Il n'était pas super bien stuffé, donc il s'est fait quand même péter la bouche. Mais heureusement, vous verrez le rapport, hein, heureusement, ses collègues nous ont swarmé. Et une erreur, on ne swarme pas un Attila. Donc du coup, ils ont rendu un trade très très positif pour nous en plus. Ils ont pris masse blessés graves notamment et masse morts. Donc c'était très bien pour nous. Je vous le montre là, je vous le montrerai de nouveau par la suite. Vous le voyez, le trade est très positif. Je vais tous vous montrer, enfin tous les plus intéressants. Vous allez voir, on a fait quelques belles opérations et le trade, franchement, avec le swarm est vraiment parfait pour nous. On continue à avancer dans les éléments de la soirée, toujours en accéléré, les éléments de la nuit. Vous avez vu cette porte, on a continué de la garder et les ligues, on trouve un petit endroit, vous le voyez, un bug de zone. Ça, c'est un bug de zone, hein, clairement. Pour poser une forteresse, ils l'ont posée. Malheureusement pour eux, elle ne va pas tenir. Ils vont essayer d'en poser plusieurs fois. Ça ne va pas tenir. À chaque fois, elles vont être détruites. Nous, on ne va pas essayer d'en poser. Actuellement, on n'a toujours pas essayé, bien évidemment. Notre but pour le moment est de réussir à faire le ménage et à péter les forteresses. Puisque si on allait poser une forteresse au milieu, on va devoir la défendre en même temps que le pass. Ça va être compliqué, sachant qu'ils sont le 239, ils sont sur nous. La technique ou l'objectif stratégique du 239 et du 177 est de venir poser soit une forteresse sur notre territoire, soit réussir à rentrer en pétant nos forteresses, et puis après, nous détruire notre territoire, c'est assez simple. Nous, on va continuer toute la soirée à lancer des rallyes de l'autre côté, sur les forteresses, sur la porte, puisque par moment, ils vont la récupérer. Et aussi sur les villes, bien évidemment, puisque quand on zéro le joueur, on est détente, il ne nous gênera plus. On va passer à la situation actuelle à présent, les amis, et je vais vous montrer les rapports des attaques qu'on a menées et des quelques villes qu'on a rasées. Donc déjà, la situation actuelle, elle est assez simple. Le reset vient de se finir, les serveurs sont up depuis 30 minutes. À l'instant même, on n'avait pas la porte, on l'avait perdue. À l'instant même où le serveur était up, Gaudi Seco a lancé un rallye, on l'a rempli, on a pris la porte. Donc la porte maintenant est à nous. On est en train d'avancer sur leur territoire. On doit lancer des rallyes d'ailleurs. Vous le voyez, hein, il y a des rallyes en cours, des contre-rallyes au sud sur le 1341, les SNO, pas le 1341 sur les SNO. On attaque leur forteresse également en boucle, hein, la forteresse des XIK qui est ici. On essaye d'avancer et d'avoir le terrain, le territoire en même temps. On est un peu plus connecté qu'eux, hein. Ils arrivent en heure creuse. Nous, c'est une heure standard, ce n'est pas notre heure pleine. Donc sur le territoire, de notre côté à droite, on a tenu, il n'y a pas de souci. On avance même et je vous montrerai les rapports après. Au sud,
Pareil, les forteresses malheureusement brûlent et passent en réparation, puisque le 1177 n'a eu aucun combat, donc ils sont vraiment tous frais et tous en forme, eu aucun combat avant ces ouvertures de portes, hein. Mais quand même, on les empêche pas mal d'avancer, hein. Ils vont devoir attendre d'avoir détruit nos forteresses pour passer. Ils ont essayé hier de passer par, de venir nous attaquer, ils étaient en masse, de venir nous attaquer pour soutenir leurs potes. Mais le problème, c'est que regardez, notre porte, elle est cachée par ce fleuve. Alors ce fleuve, il nous ennuie bien parce que nous, il limite notre territoire pour TP. Et quand on veut y aller du bas, on doit faire tout le tour. Mais eux, ça les a enfermés dans ce petit couloir pour passer. Et on les a tabassés dans ce couloir. Et les mecs, ils se tapaient la mission pour rentrer chez eux. Donc on était bien. De l'autre côté, regardez ce qu'ont fait les SQD. Les SQD ont galéré à poser une forteresse, bizarrement, étrangement, bonne défense 77, mais juste avant la maintenance, ils l'ont posée ici. Ce qui fait en se connectant après la maintenance, je peux enlever les graphismes diminués, en se connectant après la maintenance, et ben elle était up, et du coup, maintenant, ils déroulent, ils vont commencer à avancer sur le 177. À savoir que nous, dès qu'on n'aura plus le 177 qui va nous gêner, ça va être beaucoup plus facile pour aller raser le 239. De l'autre côté, au nord, hein, ils ont attaqué les forteresses. Elles sont en train de brûler. Ils n'ont pas le choix là pour le coup. Ça attaque les forteresses. Ça a bullé sur la zone pour éviter que ça jump que ça fasse un passe-muraille, que ça jump la montagne. Tout brûle ici, mais ça va mettre encore une bonne journée avant de disparaître. Ils ont essayé de poser des forteresses un peu partout. Ils ont essayé de jump, alors que je vous dise pas de bêtises. C'est ici qu'ils ont essayé de jump, trouvons. C'est ici qu'ils ont essayé de jump, mais ils n'ont pas réussi. Le flag a été brûlé. Là, il brûle de nouveau. Ils vont essayer de passer en profitant du fait qu'il y en a creusé. Et non, regardez, ils ont réussi à en poser une. J'allais dire qu'ils n'avaient pas réussi. Mais regardez, ils ont trouvé un bug ici aussi. Et ils ont posé une forteresse ici. Ça, c'est des bugs, hein. C'est pas normal qu'on puisse sur un coin comme ça poser une forteresse. Je pense qu'à terme, ce sera patché. Voilà pour la situation. Ah, on a vu, il y avait une grosse zone de. Il y avait une petite zone de combat, plutôt, j'allais dire une grosse zone, mais non, une petite zone de combat ici, intéressante. Hein. Les mecs sont quand même là. Et c'est le 166 qui affronte qui a aussi des mecs qui ont TP ici. Les mecs, c'est des ouf, hein, sérieux. Il y en a, ils sont chauds bouillants. On retourne, je vais vous montrer, comme promis, les rapports les plus intéressants. Hein. Donc, quelques rapports intéressants. Je les ai mis en favoris. Je vous en ai mis trois. Regardons. D'abord, cette attaque de porte par Godi, regardez, un gros rallye, donc son Xi Chandra, donc il n'est pas un djihadiste hein, par Godi, c'est pour ça que j'étais surpris, mais je m'étais trompé, ce n'était pas Godi. Donc son Xiang Yu Chandra Gupta face à un Edwige Zetan, et Edwige se fait littéralement péter la bouche, moins 20,9 millions pour nous, moins 48,6 millions pour eux, ça a été très rapide. Ils se sont fait vraiment défoncer, blessés légers, 32 millions pour eux, 14 millions pour nous. Il y a plus du double hein, en ratio, le nombre de morts, 3 millions et demi pour eux, 1 million 5 pour nous. Vraiment un trade très très favorable. Si on regarde les bonus, hein, il n'y a pas photo, à part sur la santé de l'infanterie, à part sur la santé de façon générale. Partout, Edwige Wu se fait péter la bouche, même avec les bonus de défense. D'ailleurs, le deuxième bonus, là, la reprise de territoire, lorsque ce commandant dirige la garnison de votre propre ville. Donc là, les tours de garnison et tours de guet gagnent 7%. Il sert à rien, ce skill. Hein. Donc là, franchement, inutile, totalement inutile. Dégâts de compétences et de contre-attaque, un peu en deçà aussi de ce qui est fait de l'autre côté. Mais un trade très intéressant pour nous, sans compter, hein, tous ceux qui ont essayé d'attaquer, de swarm, y compris des blessés graves, ont bien mangé leurs dents, n'importe quoi, les mecs qui ont fait ça, ils avaient envie de remplir leurs hôpitaux. Un autre combat, une attaque de porte, toujours Godi, Chandra, avec sur Zenobia ou Zetan, donc on a Xian Yu avec Chandra Gupta, toujours face à Zenobia, et regardez le trade, il est moins favorable, mais il l'est quand même, hein. On passe de 827 000 morts pour nous à 1,5 million de l'autre côté, moins 10,7 millions, moins 19,8. Donc on a un rapport 2x2, sans compter tous les petits malins qui ont voulu taper à côté, qui ont voulu swarmer et qui ont fait n'importe quoi. On finit avec le dernier, l'attaque de la ville de Rambe. Là, c'est un Rambe qui a attaqué la ville d'un Griffy, de prophète Ilas, et on lui a bien fait manger ses dents avec Yinseong Guan. Regardez ce trade, moins 3,3 millions pour l'attaquant. Et il n'y avait qu'un seul rallye, hein. Ce n'était pas un multiple rallye.
et lui a pris moins 18,1 millions. Tous les rapports que je vous ai montrés là, c'était des mono-rallyes, pas des multiples rallyes. Donc là, vraiment un trade, encore une fois, très très favorable. Sans compter les swarms, hein, les swarms, regardez, 100 000 morts, 196 000 morts, des blessés graves. Les mecs ont mangé leurs dents d'une puissance sur cette attaque, sur ce trade. Ils ont voulu aider leurs potes, mais là, ils auraient mieux fait de s'abstenir. Ils se sont vraiment fait défoncer. Regardez, il y en a plein qui ont swarm. Donc, ne swarmez pas un Attila. C'est n'importe quoi de faire ça. Vous allez juste permettre à l'adversaire de faire plus de blessés graves et plus de morts. Donc, moins 500 000 morts pour nous, moins 3 millions pour lui. Lui, sa partie, elle est finie. Là, c'est bon, il peut rentrer sur son royaume d'origine et il peut aller farmer. Voilà pour cette grosse guerre. Bien évidemment, je vais continuer de vous record tout ça. Je vais continuer de vous tenir informé de ce qui se passe aussi sur les autres royaumes. Il y a eu pas mal d'ouvertures de portes et donc on va aller voir ça ensemble. Je retourne à la guerre, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir. N'oubliez pas les paris, les pronostics que je vous donnerai en fin de semaine. Donc, n'hésitez pas, pour ne pas les rater, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.